Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo unboxing. Alors c'est un unboxing un peu particulier, hein. C'est chez mon ami Romain Cartier de Créa Loisirs. Comme vous le savez, Romain, il a, pour raison personnelle, il décide d'arrêter Créa Loisirs et donc du coup c'est la dernière commande que je passe chez lui. Donc c'est un peu... C'est une page qui se tourne, on va dire. Mais pour lui, c'est de nouveaux projets. Donc je suis contente pour lui. Romain, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Comme promis, je te fais la vidéo. Pour vous situer, nous sommes le samedi 7 septembre. Et ça a été super rapide. Parce que j'ai passé la commande mardi. Donc mardi, on était le 3 septembre. Il m'a fait un lot sur Vinted et il l'a déposé le lendemain et là je l'ai reçu hier, j'ai été le récupérer hier, donc vendredi 6, donc mercredi et je l'ai reçu hier, donc très très rapide. Allez, bah, on va y aller, hein. Je tourne la caméra, j'ouvre pour éviter de faire du bruit et je vous montre les produits que j'ai pris. Alors avant, je vous fais voir quand même que, comme d'habitude, avec Romain, c'est super bien emballé. Il y a la dose de papier pour protéger les articles. Allez, je coupe, je prends les produits et je vous fais voir. Allez, me revoilà. Alors, donc... Je tiens à préciser que c'est des produits que j'ai achetés. J'étais pas en partenariat avec Romain, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. J'ai toujours acheté mes kits chez Romain. Certes, c'est certaines fois, il m'a accordé des petits cadeaux, des petites réductions, mais j'ai toujours payé mes kits chez Romain. Là encore, j'ai payé les kits chez Romain. Il m'a arrondi pour... Voilà, il a arrondi le montant, mais j'ai toujours payé les kits. Voilà, parenthèse fermée. Alors, premier kit, c'est un porte-clés. Porte-clés avec le petit soleil. Alors, comme d'habitude, je coupe, je déballe et je vous fais voir. Voilà, donc j'ai sorti du sachet. Donc, nous, ça se présente comme ceci. Donc, nous avons la petite image. On ouvre. On a donc à l'intérieur, on a les deux possibilités, soit avec les lunettes de soleil, soit avec le sourire. Voilà. Et puis bah derrière, il y a même un troisième. Non, c'est le même. J'allais dire un troisième, mais non, c'est le même. Donc voilà, le petit livret pour suivre, pour faire l'image, ou après, vous faites comme vous voulez. Nous avons donc les pixels. Donc là, il n'y a que trois couleurs, le jaune, le noir et le blanc. Nous avons le support de porte-clés. Donc avec les petits picots ici, là la partie lisse, le petit trou pour attacher la tâche et nous avons donc la tâche. Voilà, ça c'est le premier kit. J'ouvre le deuxième et je reviens. Alors le deuxième kit, même chose, même présentation. Donc le petit livret pour montrer le modèle. Donc là, vous avez vu, c'est une voiture. Hop. Donc le livret, la même façon. Hop. Ce modèle-là ou ce modèle-là. Il y a deux modèles au choix. Vous faites celui que vous voulez. Le petit support. Pareil, trois couleurs, bleu, noir et blanc. Et
la petite attache. Voilà, ça c'est le deuxième kit de porte-clés. Et ensuite, eh bien, j'ai pris trois kits de pixels. Alors, il y en a un où c'est une seule plaque avec le petit cadre qui va autour, qui est compris dedans. Et les deux autres, c'est des kits de plaques. On va commencer par une plaque, je l'ai sous les yeux. Donc, c'est le petit Nemo. Voilà. Hop. Alors. Ah, désolé, du coup, ça fait un peu de bruit. Donc, nous avons le livret avec toujours l'image. La plaque de pixels avec la flèche pour savoir dans quel sens on va la travailler. Qu'est-ce qu'il nous dit ce livret ? Bah, qu'il n'y a qu'une seule plaque, bien entendu. Il y a en tout 23 plaques de pixels de couleurs. En nombre de couleurs, on en a 19. Et on n'a pas d'attache puisque c'est qu'une seule plaque. Par contre, on a le cadre en plastique qui va avec pour faire la finition. Nous avons la fameuse plaque. Donc, vous voyez, on voit la flèche là. Là, comme ça, vous la voyez. Par transparence, vous voyez qu'il y a la flèche dans ce sens. Voilà. Plaque. Dans ces kits avec une plaque et le cadre offert, on a aussi la fameuse pince, mais bon, moi je n'utilise pas ces pinces. Voilà, et nous avons donc dans un sachet les plaques de pixels. Et donc, eh ben, je vous ferai voir plus en détail dans une prochaine vidéo, mais dans le livret, on a comment placer nos pixels. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 5 étapes. Donc, ça va, ça va aller vite. Voilà, pour ce premier kit, je coupe, j'ouvre le deuxième et je vous fais voir ça. Allez, donc le deuxième kit, c'est ce petit singe. Donc là, c'est un kit de plaques. J'ai jamais fait, donc j'avais fait déjà une plaque. Et après, j'étais passée directement à 4 plaques, 6 plaques, 9 plaques et 2 plaques, j'avais jamais fait. Donc je voulais tester. Donc ce petit singe. Donc avec les deux plaques, les pixels, ah, il y en a pas mal, il y a 50 couleurs et il y a 59 plaques de pixels comme ceci. Voilà, donc je vous ai fait voir les deux plaques. Nous avons notre petit livret. Il y a 6 pages. 6 pages. Après, j'ai juste un petit souci au niveau de l'impression. En fait, ça a été photocopié. On voit que c'est pas dans un livret comme d'habitude. Et du coup, là, les bordures, c'est un petit peu coupé. Voyez, on n'a pas en entier les écritures et du coup ça peut être un petit peu gênant. Là par exemple, on ne sait pas s'il y a des pixels ou pas, et si on a, on ne sait pas ce que c'est comme pixel. Donc je vais contacter Romain parce que c'est quand même un peu gênant. Alors, sur la deuxième page là, on voit bien en fait.
Là, vous voyez, ça, on ne sait pas si ça a bavé, si c'est des pixels, si c'est des pixels, ce que c'est. On voit pas trop. Là, là, là. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Ok, très bien. Ça, c'est pour ce kit-là. Et donc le dernier kit, c'est le kit cheval. Cheval qui est dans son box. Alors, ah, bah, je vois que c'est la même présentation, donc j'espère que le schéma sera un peu plus lisible. Oui, ça va, il est présenté d'une autre manière. Donc là, nous avons toujours un kit de plaques. Nous avons 37 plaques de pixels pour 14 couleurs. Ça devrait aller relativement vite. Et là, on voit bien que derrière, c'est une autre présentation. Donc là, il n'y a pas de souci. On voit bien la plaque en entier. On voit bien comment il faut mettre les pixels. De toute façon, je vous ferai une vidéo de mes projets. Donc, je vous refais voir vite fait hein, les deux plaques, mais je vous ferai voir dans le détail quand je ferai les vidéos. Hop, et donc voilà les pixels. Je remets tout, je coupe, je referme et je reviens. Voilà, donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. Alors, j'ai des nouveaux abonnés, vous n'êtes pas forcément au courant, donc je vais prendre ce moment pour vous en parler. Pourquoi je coupe à chaque fois ma vidéo que je déballe hors caméra? C'est parce que, en fait, j'ai un petit souci au niveau des bruits. Je suis très très sensible au niveau des bruits et les emballages de ce type-là qui sont très bruyants pour ma part, je trouve, ça me dérange fortement et je ne suis pas la seule. Donc, j'essaye du mieux possible dans mes vidéos de ne pas avoir trop de bruit pour justement que les personnes qui sont très sensibles au niveau des bruits ne soient pas dérangées. Voilà. Sur ce, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au départ, je ne suis pas en partenariat avec Romain. Romain, il arrête. Donc, essayez de le contacter quand même en message privé. Je vous mettrai son lien pour le contacter si des fois il a encore des kits qu'il peut vous vendre. Je pense qu'il vaut mieux passer par son Vinted. Voilà, donc je vous mettrai en barre de description ses coordonnées. Si vous voulez aller jeter un œil, il a encore plein de kits. Il a des porte-clés, il a des origamis, il a des kits, une plaque, deux plaques. Et après, je sais pas s'il a des grands kits encore qui lui restent. C'est possible. Le mieux, c'est d'aller voir sur son Vinted ou de le contacter directement. Romain, si tu passes par là, encore une fois, je te fais des gros bisous. Merci pour tout. Évidemment, je suis triste que tu arrêtes Créa Loisirs parce que les pixels, j'adore. Donc, bah, tant pis, hein, je trouverai d'autres kits ailleurs. Mais bon, voilà, comme je te connaissais, ça, c'était toujours un plaisir de traiter avec toi. Je te fais des gros bisous et je vous dis à bientôt à tout le monde. Prenez soin de vous et ciao ciao, bye bye!
Thank you.